Deuxième boucle de cette 15e édition de l'Africa Ecoreis aujourd'hui, avec au programme les plus belles dunes de Mauritanie, débutant par l'ergue Chinguetti. La vigilance était nécessaire pour gérer les machines tout au long de cette journée dans ces chaleurs extrêmes. Au total, 663 km de secteur sélectif entre Wedge Chinguetti et Chinguetti. Voilà donc pour le programme des réjouissances de ce jeudi. On débute avec les motos et la catégorie des motules Extreme Rider. Patrice Carillon fut le plus rapide d'entre eux. Lobois continue d'être très régulier, les 13e du jour. Journée épuisante pour Juan Pedrero. L'Espagnol a fait une chute dans l'herbe à chameau. Il a un peu abîmé l'avant de sa Harley Davidson. Pedrero a crevé, mais il a tout de même réussi à rejoindre l'arrivée. Fatigué, mais heureux, à la 9e place. Malgré sa chute, Alessandro Botturi a longtemps cru avoir réalisé le scratch, mais une pénalité de 6 minutes le rétrograde à la 3e place. L'Italien a tout de même vécu une journée exceptionnelle dans des décors de rêve. C'était une expérience magnifique aujourd'hui en Mauritanie. La Mauritanie est toujours incroyable et magique. Aujourd'hui, ce n'était pas une étape très facile avec ces dunes au milieu de nulle part, mais je crois vraiment que la Mauritanie est un endroit magnifique. La Mauritania est un posto vraiment magique. Pour Paul Tarès, 2e du jour, l'objectif est clair désormais, aider Botturi à rester sur le podium. L'Espagnol est devenu en quelque sorte le porteur d'eau de son coéquipier chez Yamaha pour l'emmener jusqu'à l'arrivée. Placer 3 bicylindres sur le podium final serait merveilleux. Du côté du leader, pas de problème particulier ce jeudi. Jacopo Cerutti a bénéficié de la pénalité de Botturi pour signer une nouvelle victoire d'étape, sa 4e. Et Cerutti le sait, il est désormais en bonne position pour succéder au palmarès à Zwitko. On récapitule le classement de cette 9e étape, victoire de Cerutti devant Tarès et Botturi. Le Suisse Alexandre Vaudan est 6e. Au général, pas de changement. Cerutti est toujours leader avec 7 minutes et 4 secondes d'avance sur Botturi. Tarès 3e a encore perdu un peu de temps, il est maintenant à plus de 24 minutes. Du côté des autos, on commence avec un mot de l'Africa Ecoreis classique au programme 3ZR aujourd'hui. Deux ont été gagnés par René De Clercq au volant de son Bombardier Iltis. Le Belge est 2e du général, loin cependant du leader Eric Claes. Les camions n'ont pas été vraiment à la fête aujourd'hui. Le premier d'entre eux, celui de Thomas Tomeček, le Tchèque qui voyage seul au volant de son Tatra et qui a gagné la catégorie lors du dernier Africa Ecoreis, termine 11e. Du côté des autos, on ne retrouve que des CSV devant, normal dans de telles conditions que ces véhicules soient plus à l'aise que les T1. Gauthier Paulin a dû s'arrêter avec l'autre SSV Apache, celui de Pierre-Louis Loubet, pour aider un concurrent moto, Nicolas Charrier, qui avait fait une chute dans une dune. Le leader du général a assuré aujourd'hui sans prendre de risque, il est 5e. Sa joie fait plaisir à voir, Cliff Zingraff est comme un enfant dans un magasin de jouets. Après avoir fait 3 tonneaux avant-hier, l'Allemand est reparti sur les pistes comme si de rien n'était. Il est là pour se faire plaisir et ça se voit. Zingraff monte sur la 3e marche du podium du jour. 7e podium pour Carlos Vento aujourd'hui, 2e, une 2e place qui permet à l'Espagnol de conforter sa 3e position générale. Champion d'Espagne en rallye raid et vainqueur d'une étape du Dakar l'an dernier, l'Espagnol est un surdoué puisque là ne fait seulement qu'un an et demi qu'il pratique cette discipline. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Pierre-Louis Loubet. La journée d'hier avait été cauchemardesque, aujourd'hui elle fut exceptionnelle. Après avoir annoncé qu'il retrouvait l'écurie Skoda, avec qui il fut titré en WRC2 en 2019, le pilote Apache a gagné l'étape aujourd'hui.
Quatrième scratch pour le jeune Français qui, rappelons-le, fait ses grands débuts dans la discipline. Ouais, c'était vraiment magnifique. Hein. C'était peut-être la plus belle spéciale en termes de paysage du rallye. Donc non, beaucoup de plaisir, c'était sympa. Donc voilà. Au CP1, on avait rattrapé Gauthier. Donc après ça, on est resté derrière Gauthier tout le reste de la spéciale. On n'a pas essayé de le doubler parce que bon, dans la position où il est, on ne sait jamais s'il a un souci. Donc non, on a fait toute la spéciale ensuite derrière Gauthier et on n'a pas cherché à aller devant. Le classement du jour, victoire de Pierre-Louis Loubet avec 36 petites secondes d'avance sur Carlos Vento. Cliff Zingraf est 3e, Gauthier Paulin 5e, premier camion, celui de Tomacek, il est 11e. Au général, tout continue de sourire à Gauthier Paulin, qui est toujours le leader, avec 3h54 d'avance sur Pascal Ferrin, toujours 2e. Carlos Vento est 3e, le camion de Tomacek est 4e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 10e étape et avant-dernière journée en Mauritanie, avec au programme encore beaucoup des dunes. Puis après le ravitaillement, la place sera donnée au pilotage sur des pistes sablonneuses. Au programme donc 387 km de spécial entre Abodjar et Agjouj. Mais en attendant, comme d'habitude, voici quelques-unes des plus belles images du jour. Ciao !